Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Chercher l'artiste. Aujourd'hui j'ai un show à tout casser. Nous allons voler, nous allons sauter, nous allons pomper tellement nous sommes contents aujourd'hui. Hein? It's going to be a phenomenal show. I have a wonderful, fantastic artist. Une artiste qui est venue spécialement de France pour nous rencontrer et passer un bon moment avec nous. Elle s'appelle Christiane Obidol. Bienvenue Christiane. Merci de m'avoir accueilli. Tu sais pas combien que je t'aime. C'est sympa. Si tu savais. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. Je te souhaite la bienvenue à Miami. Bienvenue sur notre show. Bienvenue sur la plateforme de Island TV. Je suis très contente d'être là. C'est vraiment. Et nous avons tellement de choses. Nous allons parler de tellement de choses. J'espère. De toi, de ta carrière, et de tout, et de tout, et de tout, et de tout. Donc, comment se passe ton petit voyage ici, là? Super. Il est presque terminé. C'est ça, j'ai pas envie de partir. C'est dommage. Mais on peut te kidnapper. Hein, c'est si, ça, mais si j'ai du boulot là-bas. Tu as du boulot qui t'attend. Dans le froid. Dans le froid, j'imagine. C'est ça qui me fait peur, rentrer dans le froid. Bon, je voudrais que tu puisses dire à nos téléspectateurs qui tu es. Eh bien, je fais partie d'un groupe des années 80 qui a été monté en 86 exactement par mon frère aîné, Guy Houllier, et mon beau-frère, Yves Honoré. Le groupe s'appelait et s'appelle encore, puisque je porte le nom, oui. Zouk Machine. Mon Dieu, j'ai dansé sous Zouk Machine, j'ai chanté Zouk Machine. Toute une époque. Aïe, aïe, aïe. Mais je n'étais pas encore né. Hein. En plus, moi, mais c'est ça, ouais. Je te crois. mais maintenant, là, tu as des nouvelles choses qui vont sortir. Oui, alors à l'époque, on va faire vite, hein, oui, puisque oui. C'est du passé. Oui, c'est du passé. Il y avait Joël Ursule, Dominique Zorobabel et moi-même qui avons été Zouk Machine pendant 20 ans. 20 ans, hein? Ouais. Beaucoup après de voyages. Après 20 ans, Dominique, il y en a une qui est partie, une deuxième qui est partie. Oui. Et la dernière qui est partie, c'est Dominique Zorobabel, oui. En 2006. Et depuis 2006, je porte le drapeau et encore gommé pour arriver l'an pour aller. C'est bien. Voilà. C'est magnifique. J'ai écouté tes nouvelles chansons. Elles sont vraiment fantastiques. Oui. Et du reste... dans la deuxième partie, je vais vous montrer le CD. Ouais, c'est vrai. Tu as un CD qui est sorti. J'ai sorti un nouvel album. Et tu as signé pour moi. J'ai eu un beau CD bien signé. Dis-moi, en fait, qu'est-ce qui... J'ai pris 8 ans hein, pour le faire. Tu as pris 8 ans, hein? 8 ans quand même. Et c'est mon premier album solo. Wow. Il y a 4 ton mois. Ton premier solo album. Exactement. Aïe. Je peux te dire que dans la voiture, quand je quitte ici, il va y avoir du zouk seulement dans la voiture. Écoute, bon, quand est-ce que tu as commencé à chanter? À quel âge tu avais? J'ai commencé tôt, en fait. J'ai commencé, j'avais 12 ans. 12 ans? Ouais. J'ai fait un premier clip avec mon frère. Mon frère avait un groupe qui s'appelait Expérience 7 avant de faire Zouk Machine. Oui. Et j'ai fait des chœurs, j'ai fait des clips. Et j'allais souvent dans un studio, c'était le studio où tous les Antillais allaient. C'était le studio d'Henri Deps, qui est décédé. Il a fait pas mal d'albums pour tous les artistes antillais. C'était dans les îles? C'était en Guadeloupe, en exactement, voilà. Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre? À Pointe-à-Pitre. Oui. Il avait son studio à Pointe-à-Pitre. Et moi, je séchais les cours pour aller faire des chœurs pour les albums de tous les Antillais que tu entends à la radio jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a souvent ma voix. Donc, dans et puis là, pas la, mal bête la bête t'a piqué. La bête m'a piqué. Non, la bête m'a piqué, j'avais 5 ans. Ouais. J'ai toujours dit que je voulais être chanteuse, je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a poussée à ça, mais je voulais absolument chanter. C'est-à-dire que mon père nous a beaucoup inculqué la musique. Il chantait, il jouait du piano, il jouait de la guitare, il fabriquait lui-même ses pipeaux. C'est magnifique ça. Hein? Il jouait de la trompette, et tout ça autodidacte. Wow. Donc tout ça à la maison, il y avait toujours un piano au milieu du salon, et tous on jouait au piano sans prendre de cours. On a tous été baignés dans la musique, en fait. Moi, j'ai appris à jouer au piano quand j'avais 7 ans. Et puis, je voulais aller jouer au football. En même temps? Non, je voulais aller jouer au football, mais mon père a dit, j'ai payé très cher pour ce piano. Quelqu'un va jouer au piano dans cette maison. Et puis, bon, j'ai dit à ma petite sœur, écoute, est-ce que tu pourrais jouer le piano et tout ça? C'est bon, c'est joli et tout ça, tout le monde va t'aimer et tout ça. Et puis, dès qu'elle a commencé à jouer, moi, je suis parti, j'ai été jouer au football. T'as poussé ta sœur, mais oui. Au moins elle joue. Elle joue magnifiquement bien et elle est chanteuse d'opéra. Ah ben voilà. Pas croyable. Voilà. Bon, dis-moi, maintenant,
je sais qu'on va parler beaucoup plus de ton album, ton premier album. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu écris tes chansons toi-même? Oui, j'écris toutes les chansons. Est-ce qu'il y a un thème spécial pour cet album? Aller plus loin. Le nom de l'album s'appelle Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. En fait, c'est un album avec des titres. Il n'y a pas que du zouk. Hein. Oui. Il y a de la pop. Il y a beaucoup de pop. Il y a du. Je chante en anglais, je chante en français et je chante en créole. Magnifique, ça. Voilà. Mais en fait, je ne voulais pas faire que du zouk parce que Zouk Machine, que je porte encore aujourd'hui, que je représente, a déjà 42 titres. Zouk. Oui. Et moi, j'ai toujours voulu faire un peu autre chose que du zouk. Donc c'est là, c'était l'occasion pour mon premier album de montrer aux gens ce que je sais faire. Et alors, tu as un orchestre avec toi et tu vas commencer à faire des tournées? Alors, j'ai un orchestre qui joue derrière moi, j'ai des musiciens, j'ai surtout un manager qui s'appelle Monsieur Henri de Lépine qui est là-bas. Là. Ah, salut, salut. Et qui m'a permis, en fait, parce que lorsque les filles sont parties, il faut le dire, ça a été un long tunnel dans le noir. Oui. Donc, je suis tombée sur ce monsieur qui m'a aidé à me remonter, à restructurer tout autour de moi. Et aujourd'hui, voilà. Donc, tu n'avais pas de direction, là. Donc, tu ne savais pas ce que tu voulais faire. Mais non, je voulais soit quitter Zouk Machine, partir en solo, soit garder Zouk Machine. Et il m'a dit, écoute, garde Zouk Machine. Bien sûr. Et fais ton solo. Oui. Mais j'avais la tête tellement embrouillée que je ne savais plus où mettre les pieds, en fait. Alors, quand quelqu'un va en concert, dans l'un de tes concerts, à quoi ils s'attendent? Ils s'attendent à tous les types, même le. Est-ce que tu fais le gospel? Je ne sais pas. Le gospel, c'est. Non, je ne fais pas de gospel. Non. Mais c'est souvent les titres de Zouk Machine. Donc il y a plein de titres qui ont fonctionné. Il y a des titres qui ont fonctionné comme Pissi Mizuki en Afrique. Oui. Sauver l'amour aux Antilles. Oui. Maldon en France. Oui. Donc j'ai pas mal de titres qui ont fonctionné un peu partout dans le monde. Donc, c'est bien. Voilà. Et tes chansons anglaises? Et mes chansons anglaises, par contre, mon album, j'ai fait un titre qui... Enfin, j'ai fait un hommage à Michael Jackson. Oh! J'ai fait un hommage à Bob Marley, parce que Rita Marley a vécu chez ma mère. J'ai vu ça dans une de tes vidéos sur YouTube. Oui, elle a vécu 3 mois chez ma maman. Et Ziggy est venu jouer en Guadeloupe. Quand il est venu jouer, il est venu avec les musiciens manger chez nous. Oui. Donc j'avais vraiment un lien avec cette famille. Et... Le seul que je n'ai pas rencontré, c'est Bob, puisqu'il est décédé. Oui. Donc, j'ai voulu lui faire un hommage sur mon album. Wow. Ça s'appelle « Mes carnets clés ». Et il chante sur l'album ou... Non, il ne chante pas. Je reprends un petit bout de ses chansons, un petit bout de ses textes. Oui. Et il y a surtout un texte que moi, j'ai écrit. Oui. Voilà. C'est magnifique, ça. Alors, tes plans, là, tu vas retourner en France Alors, je suis sur des tournées, en fait. Depuis 5 ans, je fais des tournées françaises. On fait tous les zéniths de France. Et là, je suis passée des années 80, je vais aller sur Star 80. C'est la plus grosse tournée française. Oui. Où il y a pas mal d'artistes connus, comme Émilie Image, Jean-Pierre Madère, Monsieur Hernandez, Patrick Hernandez. Patrick Hernandez est toujours en vie. Il est toujours en vie. Il fait Born toujours to be alive. Yes. Oh my God, je viens de donner mon âge. Il y a Sabrina. Boys. Yeah. Je viens de donner mon âge. Ah, tu connais aussi. Donc ça, voilà. On n'est que 3 femmes, en fait. Oui. Avec plein de garçons. Et la 3e s'appelle Janice Jamison. Et il y a combien d'artistes dans cette tournée? On est 10. Une dizaine. Ah, c'est bien. C'est un show qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu as des danseurs? Non, il n'y a pas de danseurs. Ils ont mis tout un écran incurvé, pardon, qui prend toute la salle, toute la scène, en fait. Oui. Et il va se passer plein de trucs sur l'écran. Wow. Je ne peux pas tout dévoiler. Oh, mais j'imagine. Bon, parle-moi d'une de tes chansons. Quelle est pour toi ta meilleure chanson? Quelle est la chanson qui te fait vibrer? De mon album? Oui. Oh, j'en ai plusieurs, du coup. Tu en as plusieurs? J'en aime une particulièrement qui s'appelle « Ailleurs ». Ailleurs? Oui. Il y en a une autre qui s'appelle « Aime-moi ». Je veux dire que les chansons sont tristes, hein, du coup. Il y en a une autre qui s'appelle « Je ». C'est la plus triste de l'album. C'est un hommage à mes parents qui sont partis. Oui. Et puis, sinon, je les aime toutes, en fait.
Ben, sinon, moi, je n'aurais pas fait. C'est comme moi, moi j'adore toutes mes chansons. Ben oui, je les aime toutes. Il y a 17 chansons hein, quand même, ouais, sur l'album. Wow, 17 chansons, c'est bien. J'avais fait un album, j'avais mis 22 chansons, mais c'est parce que ça coûtait trop cher. J'ai dit, je mets toutes les chansons sur un seul album. Après ça, je vais les couper un petit morceau. Et puis moi, je pense que j'en avais beaucoup. Oui. Parce que je suis restée longtemps à faire du Zouk Machine. Mais en faisant Zouk Machine, j'avais des titres que comme ça, que je mettais comme ça dans des tiroirs. Et quand j'ai décidé de faire l'album, aidé de mon manager qui lui aussi est compositeur, mmh, on a fait. Et il joue aussi les instruments? Il est batteur. Wow, et la batterie c'est bien. Et bon, le zouk là, je sais qu'il y a des beaux tambours et tout ça, tu sais. J'ai pas mis de tambour sur cet album, peut-être sur le deuxième. Sur le deuxième. Là, on est allé plus vers la pop musique. En Guadeloupe, est-ce que vous savez ce que c'est que le rara en Haïti? Ça me dit quelque chose, le rara. C'est un instrument? Non, c'est un groupe de personnes qui chantent dans la rue, mais avec un rythme particulier. Et ils utilisent le bambou et ça fait un petit peu comme le son brésilien, mais c'est oui, pas… Oui, avec un… Non, ils ont la rappe aussi. Voilà, c'est ça. Non, mais ils ont un bambou et ils soufflent dedans et ça fait un bruit particulier. Et ils ont un rythme incroyable. Non, je ne connais pas. C'est pas croyable, ça, cette chanson. Mais moi, ça m'aurait tellement intéressé de faire quelque chose avec toi. Why not? On va y penser, y réfléchir. Hein? Quoi? Qui sait? Je m'imagine. Hein? Aïe, 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 la pauvre Christiane, ce que tu aurais passé avec moi en tournée. Why not? Parce que j'adore. Moi, je m'amuse comme un fou, tu sais. Il paraît. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, moi, c'est un petit peu la folie furieuse. Bon, qu'est-ce que tu pourrais me dire de toi qui est très que tu voudrais dire à tes auditeurs, qu'est-ce que tu voudrais dévoiler de toi, qui est quelque chose que d'autres personnes ne sachent pas? Ben, depuis que je suis arrivée à Miami, oui, j'ai eu un coup de cœur. Ah bon? J'ai eu un vrai coup de cœur. Emmêlé même. En parvis pâti. Mais on devra te garder. On devra te faire revenir plus souvent. J'ai plus envie de partir, c'est embêtant. Oh non, moi je veux pas que tu t'en ailles. Je sais pas quoi faire. Mais je suis obligée de rentrer. On va essayer. Donc je vais revenir. On va essayer de préparer des concerts ici. Je vais essayer. Et puis. De revenir en tout cas. Et puis tu vas pouvoir revenir. Mais j'espère revenir dans de bonnes conditions, faire un super concert, peut-être en live avec mes musiciens. Mais oui, ce serait bien. Qui sait? Oui, tes musiciens, ils ne sont pas ici, ils sont en Europe. Ils sont en France. En France. À Paris. Ben, écoute, nous allons prendre une petite pause et nous vous revenons immédiatement. N'allez nulle part. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec notre amie Christiane Obidol de Zouk Machine. Tout à fait. Bon, Christiane, moi j'ai eu la chance, je voudrais vous laisser savoir que j'ai un CD qui est signé de Christiane. C'est une merveille, j'adore, c'est ma... T'as vu, j'adore ses couleurs, hein. T'as vu tes couleurs chaudes. Ouais. Je suis quelqu'un de très pétillante aussi. C'est magnifique, hein. magnifique. Et tu as des chansons vraiment qui sont fantastiques. Parmi laquelle machine. Machine, ça dit la machine là. Ça veut dire la machine. Exactement. Oui. C'est pareil en haïtien. Ah bon, en créole haïtien. Oui. D'accord, machine là. Machine là. Alors, machine là, là. Non, alors tu veux dire la machine qui est là maintenant ou bien. La machine, la elle machine. Est là. Moi. Ah, cette machine. C'est moi la machine. Ah. Voilà. Ok, j'avais pas compris. En maintenant. Fait, je vais t'expliquer. C'est un pont entre Zouk Machine et moi-même. Oui, c'est bien. Donc, l'histoire de machine là, c'est la machine qui continue à tourner. Oui. Malgré qu'il y ait eu des problèmes que. Que tu élimines dans la vie. Que des gens soient partis, que des pièces se soient cassées. Voilà. Voilà. Et d'habitude, souviens-toi que quand quelque chose s'arrête, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va avancer. Il paraît. Il y a toujours, une continuité. Et puis, il faut grandir aussi. Il faut évoluer. Il faut évoluer. On ne peut pas rester dans le même niveau qui est... Qui a 30 ans.
d'avant, tu sais, moi, en 86, que j'étais pas là. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai juste entendu des chansons. Ah ouais, mais écoute. Non, je joue. Regarde. Oui, donc, parle-moi de la machine-là. Alors, machine-là, c'est un titre que j'affectionne, évidemment. Oui. Mais c'est surtout que je vais tourner demain matin. Et demain, tu fais un clip ici? Je tourne à Miami demain, sur machine-là. Est-ce que tu vas aller à la plage ou bien dans la ville? Je vais aller à la plage. Tu as été à Bayside? Tu as pu visiter Bayside? Non, pas encore. Je suis allée à Miami Beach. Oui, Miami Beach. Voilà. C'est bien, c'est bien. J'ai habité 15 ans là-bas. C'est vrai. J'ai habité un bloc de la plage. C'était une merveille. Carrément. Carrément. Et je travaillais dans les restaurants de Miami Beach, dont je connaissais tout le monde. Donc, imagine-toi que... je travaillais dans le restaurant, donc on avait un petit break entre 2h et 4h. Mm-hmm. Et tous les serveurs et tous les bartenders, on allait dans un autre bar et on achetait une pitcher, je ne sais pas comment ça se dit, mais une carafe, bien plus grande, ouais. Carafe, un litre, de margarita pour 2 dollars. Maman. Tu t'imagines, on retournait au travail. Dans quel état? Dans quel état? Dans un état. Ensuite, parle-moi de Mechanically. Mais je t'en ai parlé tout à l'heure dans la première émission. Ah. C'est le fameux hommage à Bob Marley. Ah oui, bon, d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ailleurs? Ailleurs, c'est ma chanson fétiche, on va tu dire. Tu m'as dit que c'est un petit peu triste. Non, pas celle-là. Pas celle-là? C'est-à-dire que le rythme est un peu lent. Un peu lent. C'est du zouk. Oui. Du zouk variété française, mélangée, parce qu'il est en français ce titre. Oui. Mais c'est la chanson qui t'emmène ailleurs. Qui te fait rêver. Qui te fait voyager. Oui, je me vois bien dans ton bateau, là, pour faire ça. Tu vois? Mais oui. Bateau, avec le voyage, ailleurs. Ou l'avion. L'avion. Voilà, ça, c'est ça. Ailleurs, c'est exactement ça. D'accord. Pour vous emmener ailleurs. Et tu aimes voyager, toi? J'adore voyager. Tu as dû voir beaucoup de pays dans le monde. Hein? J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique, j'ai fait l'Océanie, j'ai fait... L'Indonésie, j'ai fait pas mal de pays d'Europe déjà. Quel pays que tu préfères le plus en Afrique? Oh là là, j'ai aimé le Sénégal, j'ai aimé la Côte d'Ivoire, ouais. J'ai aimé le Gabon. Oui, le Gabon. J'ai aimé le Mali, j'en ai fait plein. J'ai aimé le Belgique, j'aime tout en fait. J'aime l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. Très bon. J'aime l'Afrique. Parce que nous, on vient de... Bon, enfin, nos ancêtres sont de Guinée. Je crois, les Haïtiens viennent de Guinée. Vous, c'est Guinée? Oui, c'est Guinée, je crois. Nous, c'est plutôt Bénin et Bénin, Cameroun, je crois. Je connais Bénin. Je connaissais quelqu'un qui venait du Bénin. Du Bénin? Et je connaissais l'ambassadeur du Cameroun à Washington. Ah, ça, je n'ai pas connu, non. Donc, tu as parlé de Africa. On en est où, là? Ah, Let Me Shout. Let Me Shout. Alors, Let Me Shout, c'est un des compositeurs de Beyoncé qui m'a fait cette chanson. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Pardon, excusez-moi. Madame, faute de belles épaules, hein? C'est magnifique, ça! Il fallait que je mette des trucs quand même qui tiennent la route. Hein. Quand tu dis « je », de quoi tu parles? Alors, « je », c'est comme je t'ai dit... Non, je sais, mais je voudrais aller un petit peu plus profondément. C'est vraiment là. L'histoire de quelqu'un qui est parti. Et c'est une façon de lui dire « je t'aime ». Mais poste. Donc, tu as regretté qu'elle soit partie? Écoute, ça fait toujours mal hein, quand ta maman s'en va. Hein. Oui. Et j'ai perdu mon père avant. Oui. Et j'ai perdu un frère aussi. Oui. Oh. Pendant le Covid. Pendant le Covid? Ouais. Oh, mes condoléances. Je t'en prie. Je regrette beaucoup. La vie continue. C'est la comme vie ça. Continue. Ça, c'est... Ah, ça, je ne sais pas lire le créole. Comment ça, tu sais pas? Pas fait well. Hop, relis ça pour moi. Pas fait, uh-huh. Wall. Ah ben alors, ça veut dire quoi? C'est quoi wall? Ah, on ne pas savoir quoi ça veut dire wall. Pas fait wall. Eh ben, ne fais pas ton rôle. Ouais, ne joue pas un rôle ah, qui pas ne... Pas fait wall, pas wall. Fait intéressante. Exactly. Ah, je n'ai pas dit wall, je n'ai pas dit intéressante. Non, on dit... Je savais entendre en Haïti, rete la wallou, étonnez. On quoi dit ça? Rete la wallou, ça veut dire. Rete en wallou. Ça veut dire. Fais attention, ne viens pas trop près. Eh ben, ça veut dire à peu près la même chose, pas fait wall. Ok, mémoire. Alors, mémoire. De tous tes voyages, la mémoire, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu as comme meilleur mémoire, meilleur souvenir?
Je répéterai l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est comme si à l'époque où Zouk Machine était... Oui, au top. Au top, c'était Michael Jackson qui arrivait à Paris. Wow. Un accueil pas possible. Les motards, le haut-parleur, faire le tour de la ville, le président qui nous invite chez, dans son palais. Wow. Enfin, on a tout vu, hein. Non, c'est vrai. Ça, c'est magnifique. Donc, j'ai des souvenirs que je ne peux pas oublier. C'est des gens, c'est 80 000 personnes dans des stades. Non, c'est inoubliable. Inoubliable. C'est vrai, ça fait vivre. Mais Mémoire, oui. C'est vraiment un titre qui parle des Amérindiens. Oh! De ce peuple qui était en Guadeloupe avant que nous on arrive. Mm-hmm. C'était, je crois que pour les Haïtiens, c'était les Taïnos. Les Taïnos. Les Taïnos. Et pour la Guadeloupe, c'était quoi? C'était les Amérindiens. Amérindiens. Mm. OK. Il y avait une partie de Taïnos aussi dedans. Oui, là-bas, oui. OK, Depends on You. Alors, Depends on You, c'est un duo que j'ai fait avec mon petit frère, Pascal Obidol, qui chante très très bien. Et je lui ai donné l'occasion de pouvoir chanter avec moi. Et on a écrit le texte ensemble. Et c'est lui qui me dit, t'inquiète pas ma sœur, la lumière va se faire un jour, parce que tu le mérites. Voilà, c'est Depends on You. C'est bien ça, c'est très positif. Oui. Bon, À nos actes manqués. Ça te dit quelque chose ça? Well, si je ça te dit rien. Quelque chose que j'ai manqué de la vie. Non. C'est une reprise d'un chanteur très connu en France. Mais très connu. Non. Tu vois pas qui, hein? Jacques Brel? Non. Non, je vois pas. Jean-Jacques? Goldman. Oui. Tu connais pas cette chanson? Non, je la connais pas. À nos actes manqués. Tu connais ça? Là, oui. Là, maintenant, je me rends compte. Donc, j'ai fait une adaptation en créole. Attends, maintenant, tu as... Attends, on va revenir sur Silence. Parce que tu as Machine là en Zouk et Machine là Compa. Oui, j'ai fait trois versions. J'ai fait trois versions de Machine là. Une version Zouk, une version en anglais et une version Compa. Compa. Yes. Parce que tu sais, en Haïti, c'est le Compa... C'est notre musique. Ah bah oui, mais le même compas, il est chez nous en Guadeloupe et en Martinique. Hein? Oui. Et il rentre bien, il est là depuis longtemps. Ah oui, je sais. Depuis les années 70. Oui. Ah, il n'est pas sorti de là. Et je pense qu'il est en train de monter encore plus. Ah oui. Non, le compas a pris beaucoup de place chez nous. Et aussi avec la nouvelle génération, les jeunes font des mélanges de compas avec un petit peu la musique danse et puis... Ouais, ça évolue. Tu vois, c'est normal. Même le reggaeton, ils essaient de mettre du reggaeton dans le compas. C'est comme nous avec le zouk, on cherche toujours à évoluer, on ne veut pas rester dans. Oui, voilà, les temps évoluent, on est obligé d'ajouter. La musique, c'est comme. Comment dire? C'est comme si tu faisais de la chimie. Oui. Tu vois? Il faut toujours essayer. Il faut essayer un peu d'acide, un peu de cire, voir ce que ça donne. Oui. Mais là, c'est un peu de zouk, un peu de car, un peu de pop, un peu de reggaeton. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et ça donne un autre style. Je devrais t'envoyer une de mes chansons qui m'a donné beaucoup de problèmes avec mes parents. C'est quoi? J'ai pris une chanson de Jacques Brel et je l'ai faite en dance music. Ne me quitte pas. En dance? En dance. Why not? Alors, mes parents m'ont dit que j'étais disowned, je ne sais pas comment ça se dit en français, de mettre le foot le corps de la maison parce que j'ai insulté Jacques Brel. Ah, carrément? Ben oui, écoute, c'était vraiment quelque chose, ce que je te ferais entendre. Mais moi, j'ai bien aimé, hein? Bah j'ai oui. bien aimé ma chanson. Sous le soleil. Alors, Sous le soleil, c'est Sous le soleil, vraiment, c'est assez spécial. C'est quel rythme? Faut l'écouter. Faut l'écouter. Faut l'écouter, celle-là. Oui, OK. Je sais même pas quoi dire. C'est entre de la variété et du rock. Mmh. Il y a une espèce de guitare là-dedans. Mmh. Et en même temps, c'est très soleil. Faut écouter. OK, je vais l'écouter. Ça vaut le détour. Aime-moi, c'est quoi? Mets-moi? Aimez-moi. Aime-moi. C'est aimer comme aimer quelqu'un? C'est ça. Okay. Aime-moi. OK. Et ban moyo. Ah,
Bamonyo. Bamonyo. Bamonyo, c'est une crypto-monnaie. Ok. Elle mal donne. Que les frères Pogba ont sorti. Ok. Et ils m'ont demandé de faire une chanson. Et mal donne. Et mal donne. C'est la chanson que tout le monde connaît. Ouais. C'est le titre phare de Zouk Machine. Bien sûr. Que j'ai remis sur l'album. Écoute, Christian, je ne sais pas comment te remercier. Écoute, écoute, je te souhaite un grand succès avec ce magnifique album. Magnifique album. Je te remercie. Et j'ai hâte que tu reviennes ici. En concert. En concert. Moi aussi. Nous allons organiser quelque chose de très spécial. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et c'est vraiment tous mes compliments. C'était un honneur et un plaisir de t'avoir ici avec nous sur LN TV, sur mon show Chercher l'artiste. Christian Obidol. Ben, je vous remercie tous. Je suis Leslie Jean. Je vous embrasse. Et à bientôt. Ciao, ciao. À dimanche prochain. Même chaîne, même heure. Je vous adore. Au revoir.